Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc je vais vous montrer une vidéo comment atteindre des hautes vagues en mode zombie. Donc c'est-à-dire atteindre la vague, on a les vagues 30, hein, donc, là. Pour moi c'est ça commence à être des hautes vagues à partir de la vague 30. Donc là je suis donc à la vague 31, donc sur la même grid run. Donc c'est pas compliqué, juste à faire ses tours, ouvrir les deux portes, avoir le pistolet laser et la HMR level 2, c'est-à-dire améliorer deux fois. Pourquoi deux fois? Parce que tout simplement, au level 2, elle a la poignée ergo, donc c'est une poignée qui va avoir plus de maniabilité dans l'arme. Du coup voilà, donc c'est une vidéo explicative, donc comment faire... faire cela. Donc voilà, donc, comme vous pouvez voir, donc il vous faut la laser et la HMR level 2. Donc je vous ai pas fait les premières vagues, vague 1, vague 2, vague 3, parce que je trouve ça les vagues un peu longs, quoi, et tout le monde sait faire jusqu'à la vague 30 minimum. Normalement ça devrait pas être trop compliqué. Un petit x2 et du coup je vous monte à cette vague là parce que c'est là où ça commence vraiment à se corser. Enfin, c'est les munitions à chaque fois, donc c'est pour ça que je vous conseille d'acheter le taser comme moi je l'ai, voyez. Donc toujours faire gaffe où est-ce qu'on tombe, donc toujours regarder là où on va, ce qui est un peu logique. Putain, merde toi, putain, il m'a niqué. Donc voilà, j'ai cru revive, donc c'est pour avoir une deuxième chance, quoi. Quand on est par terre, on a une deuxième vie, quoi. J'ai mastodon pour avoir beaucoup plus de vie. Et recharge rapide, parce que des fois on n'a pas trop le temps de recharger et c'est bien de l'avoir, on est bien content de l'avoir, quoi. Voilà. Bon, après ça reste long, quoi. C'est toujours faire le même tour et tout. C'est vraiment une technique pour faire des records, c'est pas une technique pour vraiment s'amuser, quoi. C'est surtout une technique pour battre des records, quoi. Ça, je vous dis, c'est amusant, mais voilà, quoi. C'est mieux le faire tout seul dans ce cas-là, surtout pour les records. Mais quand on est plusieurs, ouais, ça peut être marrant, mais plus compliqué parce qu'en fait, c'est un problème. L'un qui saute, faut l'autre qui saute, sinon ça va faire un rond de zombie, il va se faire encercler, ou voilà quoi. Ça risque d'être chaud. Donc, je vous conseille aussi d'avoir les singes. Les singes, parce que c'est mieux de les avoir, quoi. Quand il y a un munition max et que vous voulez l'avoir, le mieux c'est de jeter un singe et comme ça, les zombies vous repartent, vous prenez une munition max et vous barrez. Comme ça, vous en foutez du singe vu que vous l'aurez après, donc dans les munitions. Donc, je trouve cela mieux, quoi. Je sais pas pourquoi il y en a plein là. Merde. Il y en a plein qui perdent leur tête et qui continuent de marcher. Normal, quoi. Le mec qui a plus de tête, il marche quand même. Comme l'autre, là, il a plus de jambes, il marche quand même. Putain, merde. Oh, vas-y, je vais pas crever. Incroyable. Faut que je fasse gaffe aux munitions quand même, parce que c'est assez chaud à l'avoir. J'hésitais à mettre les chiens, parce qu'il faut savoir que quand on mettait les chiens, à chaque fin de vague où il y a les chiens, vous gagnez des munitions. Donc c'est pour ça. Là aussi, quand vous êtes là, quand vous visez, ça fait la visée auto, du coup, vous voyez s'il y a un zombie derrière ou pas. Une petite technique, vous mettez là, hop, là, c'est bien. Donc là, ouais, donc j'ai le pistolet laser level 1, donc il y aura une seule fois, quoi. Donc ça va être pas mal. Donc les battes sont très longues. C'est un truc de dingue. Quand on a deux, c'est encore plus long, parce qu'il y a deux fois plus de zombies. Quand on est trois, il y a trois fois plus de zombies. Quand on est quatre, quatre fois plus, etc. Donc c'est pour ça que c'est vraiment pas facile. C'est chaud. Que je voudrais rajouter un truc à ce que j'ai dit à la vidéo juste avant. J'ai dit que je faisais 2 à 3 vidéos par semaine, mais il est possible que je fasse plus de 2 vidéos par week-end. Donc en gros ça fait un total de 2, 3 ou 4 voire 5, vraiment 5 c'est vraiment rare, mais bon, vidéos par semaine. Donc voilà. Boum. Alors faut savoir que des fois les zombies ils crèvent en 3 coups de laser. Coups, non, deux coups, enfin ça dépend, ouais. Donc à partir du 8, 9 ou 10 mars, je sais pas encore, j'aurai la Xbox One et j'aurai GTA dessus. Et quand j'aurai GTA sur Xbox One, je ferai plus de vidéos sur GTA que sur les autres jeux, ce qui me paraît normal pour ceux-là qui ont GTA sur Xbox One. Donc la découverte je ferai avec un ami à moi, donc ce sera sûrement en local, donc pas en ligne, mais le problème c'est qu'on peut pas jouer à deux,
Donc ça c'est gênant. Donc voilà. Donc là vous voyez le plus compliqué c'est les débuts de vague. Parce que tous les zombies arrivent d'un seul coup, d'un peu partout. Donc c'est un peu galère. J'avoue, c'est même franchement galère. C'est pas facile. Donc des fois si vous voyez que je fais pas de vidéo par semaine, aucune vidéo par semaine, voire pendant des mois, c'est que mon PC n'arrive pas à mettre des vidéos et ça m'arrivait beaucoup ces temps-ci. C'est pour ça qu'à chaque fois je ne fais pas de vidéo, c'est tout simplement parce que mon PC freeze, enfin la page internet freeze au moment que que la vidéo est presque finie en fait de la publication. Donc du coup ça fait chier quoi, du coup bah, mes vidéos ne peuvent pas être en ligne. Et j'ai pas de contenu donc. Donc je ferai aussi des vidéos sans moto, ça je suis trop pressé mais le problème c'est que ça va pas être tout de suite. Oh munition map, ça aide. Merde. Donc là je suis parti pour faire des bonnes vagues là. Une bonne vague. Si la vidéo est trop longue et que je suis pas encore mort d'ici la fin de la vidéo, je vais faire une deuxième partie. Donc voilà. Puisque je peux pas faire plus de 15 minutes de vidéo. Donc quand je fais 14 minutes 30 ou voilà. Là par chance je suis à 6 minutes. Ça va. Sauf quand le temps pessime, plus en vie cet enfoiré. Ah s'ils ont peut-être ils avancent encore mais. Oh là là. Allez gros le poids. Mais dès que j'aurai la possibilité de mettre une vidéo en ligne, je la mettrai directement. Je fais plein de vidéos en avance et dès que je peux, bah, je les mettrai en ligne. Oh c'est bon cette chose là. Oh, pick me. Donc du coup voilà, dès que je pourrai mettre une vidéo en ligne, je la mettrai et voilà. Bon. Ça peut durer longtemps comme ça. Une fois avec un pote, on était resté jusqu'à la vague 40, donc c'est pour vous dire, cette technique marche plutôt bien. Et comme je dis toujours, à deux, on se gêne, c'est pas super bien non plus. Quoi. Voilà, je suis peut-être un petit peu trop tôt. Comment ça? Ça va, alors encore, ils courent pas tous, donc ça va, ça peut aller. Ce que je pense, c'est quand vous arrivez dans l'escalier et qu'ils spawnent. Là vous êtes pas dans la merde, c'est moi qui vous le dis quoi, vous êtes vraiment mais dans la merde noire mais une fois. Tac. Oh là 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 là, mais putain mais wow. C'est invincible quoi. Oh là vous allez voir, non je suis pas mort. Si vous mourrez c'est bien parce que quand vous avez cru que revive ça fait une deuxième vie du coup vous pouvez revenir à la vie et défoncer tout le monde. Et quand on est à deux, le problème c'est que pour réanimer les gens plus rapidement. C'est le petit truc chiant. Ouais, bah je sens que ça va durer longtemps. Mais bon. Ouais, ça va faire plusieurs épisodes faciles. Ouh, ça rend pas mal les petites grenades quand même. Ça pique, hein. Ah, pas les coups, je l'ai eu. Allez, salut. Ouais, bon bref. Voilà, voilà. Ils me sont vénères les zombies. Waouh. Donc voilà, après c'est pas très passionnant les vidéos de zombies, c'est sûr quand on fait toujours le même truc et tout, c'est vrai que c'est pas très passionnant. C'est toujours la même chose. Et on se calme là. Allez, c'est cinglé. Dans la dalle ou quoi? On mange depuis 10 jours. Putain. Toi, tu te calmes. Oh là là, il spawn à l'infini, mais c'est. Oh là, j'ai 101 381 en fric, quoi, ça va. Tranquille, pas de problème.
Bon, c'est quand vous voulez, les zombies. Bon. Ah, voilà. Ils crèvent pas, mais c'est un truc de dingue. Alors, moi, je les one-shot avec le. Avec le. Le point taser, mais là, je sais pas, là, j'arrive pas. Oula, se calmer. Tac, tac, tac. Ça va être short en munitions après. Ça va être la vague 32, elle est interminable. J'imagine les autres vagues d'après, quoi. Oh, mais foutu une baffe alors qu'il n'y a plus de tête. Comment il peut me voir? Ouf, il l'a bien pris dans sa gueule là, même s'il n'y en avait plus. Toi tu crèves, tu crèves, tu crèves, tu crèves. Ça va avoir beaucoup de zombies là-haut. Hein. Désolé si je pars pas beaucoup, mais je me concentre. Tu vois, on commence à être dans les vagues un peu plus dures. Voilà. Je fasse gaffe quand même, quoi. Je crois que je fasse beaucoup. Même si je me dis, si je crève, j'ai une deuxième vie, donc on va pas les couilles. Et si je. Si je reviens après, je pourrais me racheter tous mes atouts d'un seul coup, mais ouf! Oh bah tiens, voilà! Voilà! Disais que j'allais crever, bah tiens, je suis mort! Et hein, ça c'est fait. Bah, faut vite que je me réanime, allez, dépêche, allez! C'est bon, allez, je vais pas crever, c'est une blessure, allez! Bref! Donc là, ouais, je vais direct acheter. Le plus drive. Voilà, tac, j'ai tout le drive. Il va plus vite aller! Là-bas pour m'acheter Masto, parce que là c'est deux trucs prioritaires et si je sais pas je vais y arriver. Voilà, et bon, plus que le truc recharge plus vite, mais ça on verra en dernier. Ça c'est pas le plus important, ça recharge déjà assez vite un laser, c'est pas le plus important. Le plus important c'est surtout les munitions, parce que là, ça a commencé à être serré, quoi. Et ouais, donc très 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 serré. Ah oui. Ouais, ça va aller. Ah, je me mets à genoux. Allez, 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 oulalala. Il y a beaucoup de monde par ici. Bon. Oh. Ah, les bras qui volent et tout. Oh 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 oh. Ah ouais, c'est parce qu'il me semble, j'ai pas dû faire ça. Qui vaut mieux vous dégager. Ça sent la fin, les amis, ça sent la fin. Mais non, moi je revivrai toujours. Oh, oh, oh. Oh, oh. Pendant combien de temps, je sais pas, mais je revivrai toujours. En fait, j'ai voulu avoir le double point à tout prix et je suis mort direct. C'est pour ça, c'est vous. Pas à voir. Putain, y'a plus le. Ouais. Ça sent vraiment la fin, les amis. Voilà. Bah voilà, c'était obligé de toute façon que je crève à ce moment-là. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous ferez un meilleur score que moi. Donc voilà. Dommage que je suis mort bêtement comme ça, j'aurais pu aller beaucoup plus loin. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. C'est pas grave, je ferai mieux la prochaine fois. Bon bah voilà. Bon bah je vous dis salut tout le monde et n'hésitez pas à vous abonner et laisser un pouce bleu à cette vidéo. Et voilà. Bon allez, à plus, salut.